On va démarrer. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire consacré aux exigences du reporting CSRD en matière d'économie circulaire. Moi, je suis Sarah Bonnet, je suis directrice de la communication circulaire et j'ai le plaisir d'introduire cet événement co-organisé par Circulaire et l'agence Déclic. Alors, je vous propose un petit point sur l'agenda. Avant de démarrer, en introduction, on va avoir donc une brève présentation de nos deux intervenants, Caroline Lecouturier et Julien Jarny. On va entrer par la suite dans le vif du sujet avec une mise en contexte autour de la CSRD et de ses implications en matière d'économie circulaire. Notre deuxième partie, elle va avoir une visée un petit peu plus pratique, puisqu'on va analyser un exemple concret d'accompagnement d'une entreprise dans sa démarche pardon, CSRD. Et enfin, on conclura sous forme d'ouverture avec un état des lieux des évolutions à venir pour le reporting CSRD. On va avoir un temps de questions-réponses aussi de 10 minutes à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat tout au long du webinaire afin que nous puissions les adresser aux intervenants. L'événement se termine à 12h30, mais pas de panique si vous n'avez pas pu adresser toutes vos questions. On va mettre à disposition un formulaire que vous pourrez compléter et on pourra revenir vers vous sur vos différentes interrogations. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à nos intervenants, Caroline et Julien. Merci Sarah. Donc bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Caroline, je travaille avec Sarah donc chez Circulaire. Je suis consultante manager senior. Pour vous présenter Circulaire rapidement, donc on est un cabinet spécialisé dans l'économie circulaire depuis 2015 et on a différents métiers pour accompagner nos clients dans leur transition circulaire. Donc on a des actions de formation auprès des équipes. On anime aussi des coalitions et notamment le Club Circulaire qui est une coalition de plus de 100 acteurs autour de l'économie circulaire et une activité de conseil. Donc on accompagne des clients et des organisations dans leur transition circulaire sous forme de mission de conseil. Donc c'est dans ce cadre qu'on a collaboré avec l'agence Déclic sur une mission autour de la CSRD. Et je vais laisser Julien se présenter. Merci Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julien Jarny, je suis consultant et formateur en stratégie responsable et bas carbone au sein de l'agence Déclic. L'agence Déclic, c'est un cabinet de conseil et de formation en responsabilité sociétale des entreprises, RSE, et en CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est important aussi d'utiliser les mots associés derrière ces raccourcis. Donc l'agence Déclic, nous, on existe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. On accompagne tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, tout type d'entreprise, de la TPE au grand groupe, dans leur démarche de développement durable, leur démarche RSE, en mobilisant différents outils, la stratégie, mais également des aspects relatifs au carbone, aux achats, mais également aux aspects sociaux plutôt relatifs à l'égalité femmes-hommes. On est 23 collaborateurs, le siège est à Rennes, en Bretagne. Donc moi, je vous parle de la Bretagne. On a également une implantation à Nantes pour compléter le Grand Ouest, une agence à Paris et une agence à Lyon. Et on a accompagné environ 190 clients, qu'ils soient publics ou privés. On s'applique à nous-mêmes, évidemment, ce qu'on préconise ou les sujets qu'on peut conseiller auprès de nos clients. C'est pourquoi on est Bicorp et société à mission depuis 2019. On s'applique également les principes de l'économie sociale et solidaire. Voilà pour l'agence Déclic. Rapidement, aujourd'hui, on va parler d'économie circulaire et de CSRD, les deux sujets étant étroitement liés au regard de la réglementation européenne et des démarches d'entreprise en faveur de concepts de développement durable. Avant d'entrer dans le cœur de la méthodologie que nous avons pu appliquer avec le cas client, le cas concret, on va vous reposer les bases de ce qu'est la CSRD, même si j'imagine que certains et certaines d'entre vous connaissent de près ou de loin le sujet. Ici, sur ce visuel, on va travailler dans une forme, une logique de poupée russe. On va commencer par la gauche avec un cadre international, les accords de Paris pour le climat, fixant évidemment la limitation de la hausse de la température à 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Ça, c'est vraiment l'accord international. Dans une logique également de poupée russe, on a traité cet accord en pacte vert européen pour une finance et un programme durable. Ici, les objectifs sont plus ambitieux, notamment à l'échelle du territoire de l'Union européenne. L'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2050,
au sein de l'Union européenne. C'est bien, ce sont des objectifs, ce sont des ambitions fixées à l'échelle internationale et à l'échelle de l'UE. Néanmoins, les États membres vont devoir mobiliser les acteurs économiques pour transiter et atteindre du coup cet objectif de neutralité carbone, notamment à l'échelle de l'UE. C'est pour ça que des outils ont été créés, des cadres de reporting adressés aux entreprises. On peut notamment parler de la déclaration de performance extra-financière qui existe depuis 2017 en France et qui contraint du coup, les entreprises de plus de 500 collaborateurs respectant certains critères de chiffre d'affaires et de bilan à reporter depuis 2017 de leurs impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. Ça, c'est ce qui existe déjà depuis 2017 à l'échelle européenne, au travers de la NFRD, et à l'échelle française, au travers de la DPEF. Néanmoins, on voit depuis l'année dernière et mise en application depuis début 2024, on voit apparaître la CSRD. La CSRD, qui est plus exigeante et qui concerne plus d'entreprises relatives au reporting de l'impact social et environnemental de leurs activités. On parle de reporting extra-financier et on parle de rapport de durabilité. Couplé à ce reporting extra-financier, il y a un volet financier également qui est complété à l'échelle de l'Union européenne, appelé taxonomie verte. J'ai essayé d'utiliser des termes évidemment compréhensibles et les plus lisibles et clairs, mais la taxonomie verte, elle, adresse vraiment le volet financier des activités des entreprises et vise à cibler les activités durables et donc cibler les futurs investissements d'ici à 2027 à l'échelle du territoire de l'Union européenne. Donc ça, ce sont les deux volets, la CSRD et la taxonomie verte. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la CSRD, à savoir le reporting extra-financier des entreprises. Avant, comme je le disais, la DPEF concernait les entreprises de plus de 500 collaborateurs à gauche dans le tableau gris, avec certains critères financiers relatifs au bilan ou au chiffre d'affaires. Vous avez à droite un tableau qui vous donne un échéancier concernant les entreprises éligibles. Je vais plutôt utiliser le terme éligible plutôt que contrainte, éligibles à la CSRD. Évidemment, les entreprises déjà soumises à la DPEF le sont à partir du mois de janvier 2025 sur les données 2024. Donc, ce sont les toutes premières entreprises concernées par le reporting CSRD, la première colonne du tableau rouge. Sont également concernés les établissements soumis au contrôle de l'État, type établissement de crédit, prévoyance ou assurance. Ensuite, et c'est là que ça devient vraiment intéressant en termes de périmètre d'entreprise concernée, toute entreprise de plus de 250 collaborateurs, mais respectant deux des trois critères indiqués dans la deuxième colonne en partant de la gauche, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros ou un bilan supérieur à 25 millions d'euros, sont également concernés par le reporting CSRD. Donc on passe d'un périmètre de 12 000 sociétés concernées par la DPEF avant en Europe à plus de 50 000 entreprises européennes à partir de 2026 sur les données de 2025. On est vraiment sur un périmètre beaucoup plus élargi, avec des exigences de reporting plus importantes, plus précises, et surtout une harmonisation des seuils aussi, dans une logique de comparabilité, ce qui permettra d'avoir un reporting comparable d'un pays à un autre pays membre de l'Union européenne, je précise évidemment. Voilà pour les échéances. Donc vous y retrouvez peut-être en fonction de votre entreprise ou de l'entité que vous représentez aujourd'hui. Le contexte CSRD, au-delà des seuils, de quoi on parle quand on parle de reporting CSRD? On parle évidemment de reporting environnement, social et de gouvernance, trois aspects ESG. Et la CSRD est structurée autour de différentes normes. Aujourd'hui, on a une connaissance sur le secteur agnostique, ce que je vais appeler le tronc commun, à savoir toutes les normes ou les exigences qui seront applicables pour toutes les entreprises concernées, à savoir les 50 000 entreprises d'ici à 2026. Donc, elles devront toutes passer par les mêmes normes, plutôt tronc commun. Dans un second temps, encore en attente évidemment de ces normes-là, on va adresser des normes sectorielles qui seront propres à chaque secteur d'activité ou chaque industrie, que ce soit l'agriculture, des entreprises de services ou des industries de l'agroalimentaire, venant préciser les exigences de reporting. Et ensuite, dans un troisième temps, on aura évidemment des aspects plus spécifiques à l'entreprise en fonction de son organisation et de sa chaîne de valeur. Chaque entreprise concernée par la CSRD devra prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur dans son reporting.
Ce qu'on entend par chaîne de valeur, ce sont tous les fournisseurs, que ce soit de rang 1, 2 ou 3, remontés jusqu'au premier fournisseur, mais également en prenant en compte les clients et les consommateurs finaux du produit ou du service que vous délivrez. L'entreprise devra également se projeter vers demain dans une logique de prospective, à savoir comment est-ce que mon modèle d'entreprise aujourd'hui va évoluer à 5, 10 ou 15 ans au regard des enjeux de mon activité, que ce soit des enjeux sociaux, environnementaux, mais également de gouvernance. Donc l'entreprise va devoir se projeter vers demain et faire évoluer son modèle d'affaires. Des prérequis également relatifs en termes d'évaluation de l'impact, qu'il soit matériel ou financier, de l'activité, au travers de l'analyse de double matérialité. Ça, c'est un petit peu le terme qu'on entend de plus en plus dans le CSRD, la matrice de double matérialité. Je reviendrai dans un second temps sur ce sujet. L'entreprise devra évidemment se baser aussi sur des éléments concrets, scientifiques et opérationnels pour justifier son reporting, là où la DPEF était moins exigeante sur ces aspects. Et le tout devra être publié dans une partie au sein du rapport de gestion, rendu public au format électronique européen, HTML, pour utiliser encore une fois des abréviations, et contrôlé par un organisme tiers indépendant, ce qui est déjà réalisé notamment pour les DPEF. Voilà, au total, c'est plus de 1 000 informations qui sont demandées aux entreprises soumises à la CSR. Rentrant dans le cœur des ESRS abordés au regard de la CSRD, les ESRS, ce sont les normes adressées aux entreprises pour cette réglementation européenne. On a deux normes transversales, l'ESRS 1, que vous avez en haut, qui est plutôt là pour structurer le reporting des entreprises, pour vous donner des outils et des exigences en termes de cadre de reporting, que ce soit sur des stratégies, des objectifs ou des actions à mettre en œuvre. Le CRS 2, donc les informations générales ici, on va retrouver le modèle d'affaires de l'entreprise à formaliser, ou également la visualisation de la chaîne de valeur. Et ensuite, on a des normes thématiques qui couvre les trois enjeux, enfin du moins les trois lettres ESG, environnement, social et gouvernance. Donc dans l'environnement, on a évidemment des aspects relatifs au changement climatique et des aspects plus propres au fonctionnement de l'entreprise et à ses activités, la pollution, les ressources aquatiques, la biodiversité et l'utilisation de ressources et l'économie circulaire. Des aspects plutôt tournés vers les collaborateurs, que ce soit des ESRS tournés vers l'interne, les employés, mais également tournés vers l'externe, à savoir les travailleurs dans la chaîne de valeur, donc les travailleurs que les sous-traitants ou les fournisseurs peuvent employer. Et également la gouvernance, plutôt tournée vers la corruption ou l'éthique des affaires. Et pour faire le lien, évidemment, avec l'économie circulaire, c'est bien le focus environnement, mais pas que, qui l'aborde, notamment au travers de l'ESRS E5. Et je vais laisser Caroline vous en parler davantage. Merci Julien. Donc oui, on va zoomer, puisque c'est la question qui nous occupe aujourd'hui, sur ce fameux ESRS E5, donc qui est une des normes dans le pilier environnement. Donc il y a un ESRS vraiment spécialisé sur la notion d'utilisation des ressources et de l'économie circulaire. Donc utilisation des ressources et déchets, on pourrait mettre aussi. Si on regarde un petit peu dans le détail de comment est-ce que cette ESRS est structurée et ce sur quoi on va attendre des entreprises un reporting, c'est subdivisé en six cases, j'ai envie de dire, dans cette ESRS E5. Et c'est la même façon, enfin, tous les ESRS sont structurés de la même façon. Donc, dans un premier temps, on va attendre des entreprises qu'elles expliquent quelles sont les politiques, quelle est la politique qu'elles ont décidé de mettre en place, quelle est la vision, la stratégie liée spécifiquement là, dans ce cas-là, à l'utilisation de ressources et à l'économie circulaire. Donc, il va venir structurer un peu la stratégie. La case d'en dessous, le E5-2, là, l'entreprise va devoir expliquer quelles actions et quelles ressources elle va mobiliser pour mettre en place justement cette politique, cette stratégie qui a été expliquée juste au-dessus. Et dans un troisième temps, quels sont les objectifs liés à l'utilisation des ressources, l'économie circulaire ici. Donc, quels sont les KPI finalement que l'entreprise décide de suivre pour s'assurer que bah, les actions avancent et que donc la politique, elle se concrétise voilà, dans un suivi de KPI. Ensuite, on a deux autres parties sur le détail
des ressources que l'entreprise utilise, donc sur toute sa chaîne de valeur, l'entreprise, quelles sont les ressources que l'entreprise vient mobiliser, et quelles sont aussi les sorties de ressources, donc dans d'autres termes, quels sont les déchets. Donc pareil, à chaque étape de sa chaîne de valeur, quels déchets sont générés par l'entreprise, et bien évidemment, qu'est-ce qui est mis en place, alors c'est ce qu'on retrouve au-dessus, hein, qu'est-ce qui est mis en place pour limiter cette entrée de ressources et cette sortie de ressources. Et enfin, dans un sixième temps, quels effets financiers potentiels cette utilisation de ressources peut avoir sur l'entreprise. Donc là, on rejoint le concept de double matérialité que Julien a évoqué, c'est-à-dire que ce qui est intéressant de voir, c'est non seulement qu'est-ce que l'entreprise, enfin, quels impacts l'entreprise a sur l'environnement, mais aussi qu'est-ce que un monde de demain avec des ressources limitées et une pollution accrue va avoir comme effet financier sur l'entreprise, dans quelle mesure est-ce que ça peut mettre en péril l'activité de l'entreprise. Voilà, donc sur cette ESRS 5, voici les choses qui sont attendues de la part de l'entreprise. Mais ce qui est intéressant de voir avec l'économie circulaire, mais tu peux rester sur... Oui, moi non, je vais rester... Ouais, ce qui est intéressant, pardon, sur l'économie circulaire, c'est que l'économie circulaire, et d'ailleurs c'est assez intéressant de voir qu'ils ont appelé cette ESRS utilisation des ressources et économie circulaire, parce qu'on voit bien que l'économie circulaire, c'est un levier, c'est un moyen d'atteindre une baisse d'impact, etc. Et ce n'est pas un impact en soi, au même titre que la pollution ou l'utilisation des ressources. Donc comme l'économie circulaire est un levier pour atteindre une baisse d'impact environnementaux, finalement, on va. En fait, il y a deux implications sur le travail du CSRD. C'est que déjà, d'une part, on va retrouver des actions, il faut retrouver des actions d'économie circulaire dans d'autres normes environnementales. Si je prends le changement climatique, bah, finalement, pour atteindre un objectif, je ne sais pas, de moins 30% d'émissions de CO2, certaines actions vont être des actions d'économie circulaire. Donc, on va retrouver des actions d'économie circulaire dans d'autres, pareil pour la pollution. Voilà, donc on a signifié avec une petite pastille verte là où on pouvait retrouver des actions d'économie circulaire, là où ça fait sens. Et on voit que c'est aussi sur le volet social. Donc, par exemple, sur les travailleurs dans la chaîne de valeur, bah forcément, quand on travaille sur une chaîne de valeur qui est plus maîtrisée, qui s'inscrit dans une dynamique d'économie circulaire et notamment aussi de relocalisation, etc., on va avoir un impact sur cet aspect social et sur cette norme sociale. Donc, on va retrouver des actions d'économie circulaire dans les autres normes. Et on a aussi des actions d'économie circulaire, donc on retrouve dans le SRS 5, qui finalement vont avoir un effet sur les autres normes de façon assez logique. Donc ce qu'il faut retenir pour vous, c'est que, un, si la matrice de matérialité, donc l'étape d'avant, donc si quand vous réalisez votre matrice de matérialité, l'entreprise, enfin l'économie circulaire est un enjeu majeur déterminée par la matrice de matérialité, alors l'entreprise doit reporter sur le SRS E5, puisque c'est un enjeu qui est matériel pour elle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, l'économie circulaire, c'est un levier pour d'autres objectifs environnementaux et sociaux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le règlement délégué de la CSRD, c'est quelque chose qui avait été souligné. Donc l'utilisation, là je lis, l'utilisation des ressources est un vecteur majeur d'autres incidences environnementales. Donc, on voit que l'économie circulaire, finalement, elle n'est pas anecdotique. Ce n'est pas juste un ESRS parmi tant d'autres. Ce n'est pas juste l'utilisation de ressources et les déchets. C'est vraiment central et c'est ce qui va vous permettre de, pas uniquement, hein, mais c'est un des leviers pour atteindre d'autres objectifs environnementaux. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre au cœur d'une stratégie de RSE. Et je pense que pour en parler, on va passer à l'étape d'après, qui est donc l'illustration d'un cas concret d'une entreprise qui s'est lancée dans ce travail de CSRD. Donc, pour vous donner un petit peu le contexte, donc on a travaillé conjointement avec l'agence Déclic, donc l'agence Déclic apportant son expertise plus sur la partie autres enjeux de RSE et connaissance de la CSRD et circulaire sur l'expertise en économie circulaire. Donc, on avait un client qui allait être soumis à la CSRD à partir de janvier 2026, donc une entreprise française du secteur de la joaillerie. Secteur de la joaillerie, donc ce qui est intéressant,
et ce pourquoi aussi l'économie circulaire était particulièrement important et crucial pour eux, c'est qu'on fait face à une chaîne de valeur qui est internationale, avec pas mal de sous-traitance, donc il y a pas mal d'enjeux qui se posent, de traçabilité notamment, et la question des matières premières, elle est aussi centrale, voilà, c'est le cœur de leur activité, et on sent bien que le risque lié aux matières premières est assez grand. Leurs besoins, bah, c'est, je pense, le même que le vôtre aujourd'hui. Donc, c'est anticiper ce travail de CSRD. Donc, eux étaient concernés dans 2 ans. Mais donc, anticiper ce travail de CSRD en réalisant un premier rapport extra-financier qui bah, anticipe toutes les exigences de la CSRD. Comme ça, ils sont prêts dans 2 ans pour pouvoir vraiment sortir leur travail de reporting CSRD. Voilà. Et donc plus globalement, c'était aussi réussir à avoir une vision de leurs enjeux RSE en mettant l'accent sur la circularité, je l'ai dit, et pouvoir avoir une feuille de route assez détaillée et très claire sur des objectifs court terme, moyen terme et long terme. Et donc là, on va pouvoir regarder les objectifs, les enjeux. Julien, je te laisse la main. Oui, ça marche. Merci, merci Caroline. Concernant l'accompagnement de ce client, quels étaient les grands objectifs et les enjeux à bien avoir en tête avant de passer au déroulé méthodo? Le premier enjeu, c'était l'acculturation de l'organe décisionnel à ce qu'est la CSRD. Concrètement, entre nous, quand on parle de CSRD, on peut perdre 95% des personnes en entreprise si on n'utilise pas les bons mots. On n'est pas suffisamment pédagogue et clair en termes de prise de parole. La CSRD, je ne peux pas dire que ce soit le sujet le plus sexy qu'on puisse retrouver en entreprise. Néanmoins, il a le mérite d'exister et de cadrer le reporting ESG des sociétés, des entreprises. Donc, l'acculturation de l'organe décisionnel est nécessaire et primordiale, comme tout projet d'ailleurs. Si la direction n'est pas embarquée, ça fait pchit, et derrière, les sujets ne sont pas diffusés et adressés au sein de tous les métiers de l'entreprise. Ça, c'est hyper important. La CSRD, on va la retrouver au sein de tous les métiers des entreprises. Et pour citer ce client-là, on le retrouvait à la fois au sein du service achat. Le levier achat est extrêmement important pour adresser des enjeux de durabilité au sein d'une structure. On va le retrouver au sein du service financier. La direction des affaires financières est très présente aussi. On va le retrouver au sein de la direction des ressources humaines ou encore au sein de la direction des systèmes d'information. Donc tous les métiers sont concernés. L'accessibilité du contenu est hyper importante. L'embarquement des parties prenantes, je parlais de l'interne, mais surtout de l'externe. On passe d'une logique de démarche RSE, pour ces entreprises-là, en tout cas de moins de 500 collaborateurs, une logique plutôt RSE volontaire, structurée autour de plans d'action personnalisés par les entreprises, à une logique de reporting cadré, harmonisé, uniformisé aussi, au regard de la CSRD. Donc on change finalement de logique, une démarche RSE volontaire versus une démarche CSRD éligible, comme je le disais tout à l'heure. Donc là où les entreprises avant pouvaient travailler de manière un peu solo sur leur démarche RSE, sur leurs actions pilotées en interne et un petit peu vers l'externe, aujourd'hui elles ont l'obligation également de prendre en compte leur chaîne de valeur et donc les partenaires et les sous-traitants dans la réalisation d'actions, dans l'atteinte d'objectifs ou dans l'élaboration de processus de reporting, ne serait-ce que pour collecter de l'information. Donc, l'embarquement des parties prenantes. Deuxième point, l'articulation de la démarche d'anticipation du reporting avec les éléments déjà existants. Il y a certains sujets sur lesquels on ne va pas réinventer l'eau chaude. Je connais peu d'entreprises qui ne mènent aucune action en faveur d'une démarche de développement durable, qu'elle soit environnementale, sociale, économique ou de gouvernance. Et donc, capitaliser sur l'existant, le compléter, le formaliser, permettant de répondre en partie au reporting CSRD, également très important. Donner du sens à la donnée. Quand on parle de CSRD, on parle de 1000 indicateurs, on parle de SRS, on parle de beaucoup de points qui peuvent manquer de lisibilité. Donner du sens, c'est donc l'illustrer au sein des métiers, hyper important également, pour ne pas reporter juste pour reporter, mais bien utiliser la CSRD comme étant un levier de performance, que ce soit un levier de performance propre à l'évolution d'un produit ou d'un service, mais également un levier de performance, un levier d'amélioration pour des processus en interne, qu'ils soient RH ou de prise de décision, par exemple. Étant donné que la CSRD s'intéresse également à la manière par laquelle les décisions sont prises au sein d'une entreprise. Et évidemment, avoir une vision courte, moyen et long terme
courte pour mobiliser les équipes, les fameuses victoires rapides, des objectifs qui sont rapidement atteignables, qui donnent envie aussi de s'engager dans cette démarche, moyen et long terme pour faire évoluer plus globalement le modèle de l'entreprise. Comme je le disais, il y a une démarche prospective que les entreprises doivent avoir pour faire évoluer leur modèle et pas simplement reporter sur les moyens mis en place aujourd'hui pour répondre aux exigences CSRD ou durabilité. Donc ça, ce sont les grands objectifs et les enjeux définis, en tout cas avec le client que nous avons pu accompagner en parallèle avec Circulaire. Concernant la méthode adoptée pour répondre à ces objectifs et à ces enjeux, premier point, la définition du périmètre. Il s'agit ici d'une entreprise qui a plusieurs implantations à l'échelle internationale. Certes, le siège est en France, néanmoins, elle est implantée dans plusieurs pays du monde, avec plusieurs entités, plusieurs filiales. Que ce soit cette entreprise, donc ce client ou d'autres structures, la définition du périmètre de reporting, à savoir jusqu'où on va en termes d'actionnariat et donc d'entité juridique, c'est hyper important. Nous, on vous conseille de remonter au plus haut, évidemment, quand on regarde l'actionnariat d'une société et les formes juridiques, il faut remonter au plus haut, l'échelle de la maison mère, bien régulièrement. Donc là, on a défini le périmètre avec le client et on a réalisé un gap analysis, une analyse d'écart. On a considéré, on a regardé les ESRS de manière détaillée, les 1000 indicateurs qui pouvaient être demandés, donc le secteur agnostique pour l'instant, et on a regardé ce qu'avait formalisé le client, ce que menait l'entreprise en termes d'action, en termes de pratique, et donc on a réalisé une analyse d'écart. Ici, c'est un parti pris d'avoir fait l'analyse d'écart sur la totalité des ESRS. Pourquoi? On peut, il y a d'autres partis pris hein, qui sont plutôt de réaliser l'analyse d'écart sur seulement les enjeux matériels, à savoir enfin, les sujets sur lesquels l'entreprise a de l'impact. Néanmoins, nous, notre parti pris, ça a été de considérer l'entièreté des ESRS. Pourquoi? Parce qu'un ESRS peut être considéré comme matériel, comme non matériel aujourd'hui, mais va pouvoir l'être d'ici 2 ou 3 ans. Donc l'entreprise aura déjà de la visibilité sur son niveau de performance et de conformité au regard des enjeux exigés. Pour ce faire, on a mobilisé le COMEX, rappel à l'objectif précédent, hein, l'acculturation de l'organe décisionnel, et on s'est appuyé sur une communauté d'ambassadeurs RSE représentant l'intégralité des services de l'entreprise, que ce soit par les achats, en passant par la compta, mais également le marketing ou service commercial. Une fois qu'on a réalisé cette analyse d'écart, on est venu qualifier les pain points ou les hotspots, comme on dit, les points chauds. Comment est-ce qu'on a réalisé cette phase-là? En complétant le modèle d'affaires. Avant, dans les déclarations de performance extra-financière, le modèle d'affaires était essentiellement tourné vers un aspect économique, à savoir bon, bah, qui sont mes clients, quelles sont mes activités, quel est le chiffre d'affaires que je dégage au regard de chacune des activités. Néanmoins, nous, pour aller plus loin aussi au regard de la CSRD, on a également intégré un volet extra-financier dans ce modèle d'affaires, à savoir quelles sont les ressources naturelles ou sociales que j'utilise pour réaliser mon activité, pour répondre aux besoins de mon client, quelles sont les ressources que je crée ou la valeur que je crée en commercialisant mon produit ou mon service extra-financière, mais également quelle est la ressource que j'altère ou la valeur que j'altère, à savoir les émissions d'équivalent CO2 que je peux émettre éventuellement les approvisionnements au regard de ce client, les métaux ou les pierres pour lesquelles que je vais devoir utiliser pour produire mon produit ou mon service. Et on a formalisé également la chaîne de valeur, qui, elle, représente tout l'écosystème de l'entreprise au regard de son produit ou de service qu'elle commercialise. Je vais essayer, notamment Caroline, de vous présenter ça en détail. Merci Julien. Effectivement, on voulait vous illustrer cette méthode avec des exemples d'outils qu'on a mobilisés et sur lesquels on s'est appuyé pour mener à bien cette mission et cette analyse. Donc effectivement, ce qui est très utile, mais enfin, ce qui est surtout incontournable, c'est de commencer par modéliser et représenter sa chaîne de valeur de façon simplifiée pour ne pas se perdre non plus dans certains détails qui ne sont pas représentatifs. Mais l'étape 1, c'est d'avoir une vision globale des différentes étapes de sa chaîne de valeur pour réussir à voilà, comprendre les différentes étapes, les différents flux entre les étapes de cette chaîne de valeur. Et sur cette base-là, identifier les enjeux. Alors, en matière de RSE, en matière de circularité, on peut d'autant plus se l'imaginer, c'est-à-dire qu'on est allé regarder chaque étape de la chaîne de valeur, de l'extraction des matières premières jusqu'à
Alors, la fin de vie des produits, là, on était dans le cas de la joaillerie, donc on va plutôt parler de seconde vie des produits. Mais on est allé regarder à chaque étape les entrants, les sortants, donc les enjeux circulaires, quelles sont les ressources qui sont utilisées, quels sont les déchets qui sont rejetés. Et ça nous a permis donc d'avoir une longue liste de tout un certain nombre d'enjeux. Et on a identifié ceux qui étaient les plus prioritaires, on les a regroupés, donc c'est ce que vous voyez sur la petite capture d'écran, voir où finalement étaient les zones les plus à risque, les plus chaudes, et sur lesquelles, et qui étaient donc prioritaires pour l'entreprise, et qu'elle devait donc absolument, enfin, à laquelle, auxquelles elle devait absolument s'atteler dans sa feuille de route. Pour compléter, du coup, ici, on est le webinaire étant plutôt axé sur l'économie circulaire. La chaîne de valeur que vous avez à l'écran représente les risques liés à la circularité, donc plutôt sous une vision produit ou process. Néanmoins, au regard de la CSRD, la formalisation de la chaîne de valeur doit aussi intégrer des pain points plus globaux, qu'ils soient également sociaux ou économiques, que ce soit par exemple au travers de la sous-traitance que vous pouvez avoir, du type conditions de travail ou bien-être des collaborateurs, dans d'éventuels pays en voie de développement qui n'auraient pas les mêmes réglementations que les pays membres de l'Union européenne, par exemple. C'est important à avoir en tête, hein, c'est pas simplement le volet environnemental qui a représenté sous l'angle des pain points. Donc, au-delà du modèle d'affaires et de la formalisation de la chaîne de valeur qu'on retrouve dans le SRS 2, transversaux, l'étape de matrice de double matérialité permettant de venir qualifier les enjeux matériels prioritaires pour la démarche RSE slash CSRD de l'entreprise est une étape aussi nécessaire à réaliser. Cette matrice de matérialité, elle, permet, donc vous avez à l'écran ici un exemple non exhaustif, qui vous permet du coup d'avoir un visuel de ce à quoi ressemble une matrice de double matérialité en tout cas. Là où avant on était sur une simple matérialité au travers de la déclaration de performance extra-financière, ici avec la CSRD, on passe à un exercice de double, à savoir une matérialité d'impact, les enjeux, des exemples que vous pouvez avoir sur la matrice, compétences, formation, ou plutôt tournées vers le social, production durable ou climat, ont été évalués sous l'angle de la matérialité d'impact, à savoir les impacts des activités de l'entreprise sur la société et sur l'environnement, et la matérialité financière. Ici, on est dans une double logique. La matérialité financière va évaluer l'impact de l'enjeu en question, à savoir du climat ou des compétences et des formations, sur la performance et les résultats de l'entreprise. Donc, inside out pour la matérialité d'impact. Outside in pour la matérialité financière. Donc, si je prends un exemple sur le climat, qui est assez parlant, étant donné que c'est le SRS quasi obligatoire pour toutes les entreprises en termes de reporting, la matérialité d'impact, eh bien, on va plutôt évaluer ici la contribution de l'entreprise aux émissions de gaz à effet de serre et donc au dérèglement climatique. Quels sont les impacts de l'activité de l'entreprise sur le dérèglement climatique, sur le climat? Là où la matérialité financière va venir évaluer l'impact du dérèglement climatique sur la performance et les résultats de l'entreprise, qui sont deux évaluations complémentaires. Donc nous, au regard de cette matrice de matérialité, pour la construire, il sera nécessaire également pour vous d'élaborer un guide méthodologique basé sur des données scientifiques sourcées, au travers desquels vous allez pouvoir évaluer la matérialité d'impact ou la matérialité financière d'un enjeu au regard de votre activité. C'est un prérequis à l'exercice de double matérialité. Finalement, là où avant l'exercice pouvait être fait un petit peu au doigt mouillé, pardonnez-moi l'expression, aujourd'hui ce sera moins le cas. Les entreprises devront sourcer et tracer l'intégralité de leurs données. Donc, la matrice de double matérialité permet de qualifier les enjeux les plus matériels, donc ceux qu'on retrouve globalement ici dans le L inversé en rouge, plutôt en niveau 4, voire 3 à 3,5. Une fois qu'on a qualifié ces enjeux matériels, à savoir les sujets sur lesquels l'entreprise va devoir s'intéresser dans un premier temps, parce qu'on ne peut pas agir surtout par manque d'énergie, par manque d'investissement et par manque de temps, on va définir des objectifs RSE et circulaire au regard des enjeux matériels. La vision, elle a été échelonnée à 1 à 10 ans sous le prisme des enjeux prioritaires,
Toujours dans la logique court terme, moyen et long terme. 1 an pour embarquer les collaborateurs et agir rapidement en réponse aux enjeux matériels. 10 ans pour faire évoluer plus globalement le modèle de l'entreprise et ses activités. Donc, l'intégralité des enjeux matériels ont été déclinés en objectifs quantitatifs, donc datés et chiffrés, permettant à l'entreprise d'avoir une réelle feuille de route, donc accompagnée d'actions et d'indicateurs permettant de piloter sa démarche RSE, certes, mais aussi d'anticiper la réglementation et le reporting CSRD. Pourquoi ici, dans la diapo, on est vers la conformité CSRD, mais pas que? Parce qu'au regard du projet que nous avons pu mener avec ce client, on a également abordé des enjeux qui ne sont pas concernés par la CSRD. Je vais parler du numérique, par exemple, qui n'est pas un sujet directement adressé par les exigences de reporting. Avec le client, on a abordé le numérique responsable, donc le numérique durable, éthique et accessible également, comme étant un sujet de sa démarche de responsabilité sociétale. Cette feuille de route, enfin, qu'on sait dans quelle direction on va, qu'on voit l'horizon au loin et qu'on a les outils pour pouvoir l'atteindre, on consolide les informations et on le diffuse au travers d'un rapport extra-financier d'anticipation. Et quitte à aller également dans cette logique, n'hésitez pas à faire un audit blanc avec des organismes tiers indépendants, permettant de tester votre rapport extra-financier et d'être prêt le jour J également, l'année de reporting. Et surtout, de diffuser les processus de reporting au sein de tous les métiers, comme je le disais, mais dans la durée, sur toute l'année. Et d'éviter l'effet de fin d'exercice 15 jours avant de rendre vos comptes, mince, il nous manque 95% des indicateurs, on n'est pas forcément hyper à l'aise. Donc, d'articuler les processus de reporting avec les outils ou le reporting que vous avez déjà actuellement est nécessaire pour garantir déjà bon suivi des données et que ce soit peut-être moins douloureux en fin d'année ou en fin d'exercice pour vous aussi. Donc ça, c'est la méthodologie qui a été adoptée avec le client au travers de 6 grandes étapes, de la définition du périmètre jusqu'à l'élaboration d'un rapport extra-financier au regard des enjeux matériels. Là, on va aborder plus précisément. Alors, Julien en a mentionné quelques-uns là au fur et à mesure de la revue de la méthodologie, mais on voulait vous présenter les facteurs clés de succès et les points d'attention qu'on peut observer et voilà, en tant que cabinet de conseil. Facteurs clés de succès, bon, c'est sans trop de surprises. Mais il est avant tout humain, c'est-à-dire qu'un travail de CSRD qui est réussi et qui fait sens, c'est un travail qui a été élaboré avec toutes les parties prenantes, notamment internes de l'entreprise. Donc on a besoin du COMEX, on a besoin du leadership pour fixer un cap, pour avoir une stratégie, une vision long terme, et on a besoin de la disponibilité des équipes ensuite pour pouvoir faire vivre cette feuille de route. Et ça ne veut pas dire que le COMEX doit se désinvestir. Au contraire, c'est important que c'est un COMEX qui soit investi sur la longueur, sur le temps, et qui suit aussi au fur et à mesure que ce travail de reporting, finalement, il se concrétise. Puisque le but, c'est que voilà, d'une année à une autre, on voit que l'entreprise évolue. Et donc, on a besoin de cet investissement sur le long terme. Un deuxième facteur clé de succès, c'est capitaliser sur l'existant. On se rend compte qu'il y a, voilà, que les entreprises ont toutes mis en place déjà des actions sur la RSE, sur l'économie circulaire. Donc il y a des niveaux de maturité qui sont assez différents, mais c'est important de capitaliser là-dessus. Déjà, c'est ce qui va permettre d'engager les équipes parce qu'il peut y avoir un effet un peu démotivant si on se rend compte qu'il faut tout recommencer et que jusque-là, voilà, ça n'a servi à rien. Donc, c'est important de capitaliser sur l'existant pour engager. Et puis, l'enjeu, ça rejoint le point d'après, c'est finalement de réussir à remettre à plat l'existant et de le compléter et de lui donner une cohérence. Puisque ce qui peut souvent arriver, c'est qu'il y ait des actions voilà, qui soient mises en place, mais les gens n'en ont même pas conscience, etc. Donc c'est important de mettre à plat tout ce qui a déjà été fait et ensuite le compléter, lui donner une cohérence pour avoir une vision globale des enjeux. Voilà, je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que tous les enjeux environnementaux et sociaux sont intriqués les uns les autres, donc ça n'a pas de sens de raisonner de façon silotée et de traiter le climat d'un côté, les ressources de l'autre, tout est lié et donc c'est important d'adopter cette vision globale. Et enfin,
quelque chose qui rejoint le premier point, c'est d'avoir des objectifs qui sont ambitieux mais atteignables. Et aussi les échelonner dans le temps, c'est-à-dire voilà, se donner une vision très long terme et puis ensuite se donner des objectifs à très court, à plus, beaucoup plus court terme, parce que c'est ça qui va permettre de faire avancer rapidement les actions. Au niveau des points d'attention, alors un premier point, c'est que la CSRD elle est toujours en cours de construction. On va revenir dessus en ouverture et en conclusion, mais il y a notamment les normes sectorielles qui vont arriver. Donc ça peut aussi pas mal changer le travail, enfin changer, en tout cas préciser le travail. Donc il faut bien être attentif à ça. Un deuxième point, alors sur l'économie circulaire, finalement, ce serait, enfin comme l'économie circulaire est un ESRS à part entière, sur lequel les entreprises peuvent ou non décider de reporter si la matrice de matérialité considère que cet enjeu n'est pas matériel, il y a un risque de passer à côté. Et ce dont on se rend compte, c'est que parfois les entreprises cantonnent l'économie circulaire à une problématique de déchets notamment, mais voilà, c'est beaucoup plus large que ça, et donc c'est important de faire monter en compétence les équipes pour que cette économie circulaire elle soit mise au centre et qu'elle ne soit pas considérée comme non matérielle par l'entreprise, auquel cas voilà, l'entreprise passerait à côté de beaucoup de choses. Ensuite, une question sur la donnée. J'ai vu qu'il y avait une question dessus. Effectivement, un point d'attention, enfin surtout un challenge, c'est de collecter cette donnée. Elle est plus ou moins facile à collecter en fonction des thématiques. Donc, premier challenge, c'est de la collecter. Ensuite, comme le disait Julien, c'est d'y donner du sens, de ne pas la regarder en soi, mais de la regarder au regard. Des objectifs, du marché, etc. Et ensuite, dernier point, c'est d'articuler les processus de reporting selon l'organisation de l'entreprise. Donc ça, c'est dans la feuille de route. Faire en sorte que, c'est quand on fait son travail de CSRD pour l'année 1, c'est de l'anticiper et d'anticiper les années qui suivent pour que ce soit de plus en plus facile de reporter. Et donc ça, comment est-ce qu'on fait ça? C'est en responsabilisant les équipes, en fixant des responsabilités par service, etc., sur lesquelles les entreprises vont devoir reporter. Et donc, les travaux de CSRD seront de plus en plus faciles à effectuer. Merci Caroline pour ces éléments relatifs aux points de vigilance et aux facteurs de succès. Pour conclure, plutôt de parler d'ouverture au regard des enjeux qui ont pu être cités propres à la CSRD et à l'économie circulaire, on vous a indiqué ici à l'écran les évolutions en attente côté CSRD qui vont bien évidemment venir préciser ce cadre qu'on a pu vous présenter et donc les méthodes de travail aussi derrière. Aujourd'hui, on a déjà quelques guides de l'EFRAG qui sont proposés. Notamment relatif à la chaîne de valeur, à la double matérialité, par exemple, et aux data points, donc propres à la chaîne de valeur. Néanmoins, il y a d'autres guides de l'EFRAG qui vont devoir évidemment être publiés, permettant d'accompagner et d'outiller les entreprises dans leur démarche de reporting CSRD. Donc, c'est en cours. On n'a pas forcément de visibilité jour par jour ou semaine par semaine, en tout cas, relatif au guide, mais certains sont en cours de publication, notamment par exemple celui propre aux PME qui ne sont pas encore soumises à la CSRD, mais qui souhaiteraient anticiper le reporting parce que leur chaîne de valeur et leurs fournisseurs qui le sont leur demandent des données relatives à ce sujet. Des prochaines publications propres aux normes sectorielles, pour le coup, pour vous donner un exemple très concret. On a des clients qui sont multi-activités, des groupes et donc des maisons mères qui portent plusieurs activités, que ce soit des activités à la promotion immobilière, à la construction. En parallèle, vous allez avoir dans le même groupe des activités d'hôtellerie et de restauration, mais également des entreprises de l'énergie. Toutes n'ont pas du tout le même secteur d'activité. Donc, difficile pour elles de reporter sur les mêmes sujets, avec les mêmes enjeux, même si évidemment la consolidation est à réaliser à l'échelle de la maison mère. Et donc, des normes sectorielles vont venir préciser, secteur d'activité par secteur d'activité, quels sont les enjeux, ou quels sont les ESRS, en tout cas, à adresser et à qualifier de matériel un peu plus davantage, en tout cas, propre à chacune des activités. Donc, il y a des brouillons, des drafts qui sont en cours de révision concernant ce sujet. Un point important, l'alignement de la législation française sur le relèvement des seuils
de la CSRD concernant l'inflation. Aujourd'hui, les seuils que j'ai pu vous présenter tout à l'heure, propres aux 250 collaborateurs et aux critères financiers, chiffre d'affaires et comment dire, bilan, sont à actualiser. La France a 12 mois pour actualiser ces seuils-là, étant donné que les seuils ont évolué à l'échelle de l'Union européenne et donc le décret d'application va devoir être mis à jour à l'échelle française. Donc on attend dans les 12 prochains mois une actualisation des seuils, on espère à la marge, propre à ce qui a déjà pu être évoqué à l'échelle des pays membres, des États membres. Et pour terminer sur une note très positive, mais malgré tout, qui a pu être précisée au regard de la transposition à fin décembre 2023, quelles sont les sanctions à retenir relatives à la CSRD? Bon, je vais en parler assez rapidement parce qu'on va tourner, on va finir sur une note positive au travers de vos questions, évidemment, mais elles sont importantes parce qu'elles sont aussi là pour faire bouger et faire évoluer le cadre de reporting financier et extra-financier des structures. En cas de non-publication, il y a une possibilité d'amende de 3 750 euros, mais ce qui est également intéressant à avoir en tête, c'est la possibilité d'exclusion des procédures de marché public pour les entreprises. On ne parle pas d'exclusion systématique, néanmoins, un acheteur public sera en capacité et aura le droit d'exclure une entreprise si elle ne justifie pas de sa publication, de son rapport de durabilité. Ce qui peut avoir un impact très important pour les entreprises qui ont la majorité de leur chiffre d'affaires en lien avec les acteurs publics. En cas de non-audit passible de 30 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement, ici, on parle bien pour la personne physique, donc le dirigeant de l'entreprise. C'est aussi intéressant et important de l'avoir en tête. Et en cas d'entrave à l'audit, ça, évidemment, on espère qu'aucune d'entre vous autour de cette vision ne le fera, passible de 75 000 euros d'amende et de 5 ans d'emprisonnement. Bref, voilà, ce sont des points importants à avoir en tête aussi, qui sont néanmoins en attente du décret d'application à l'échelle française, mais ça nous donne déjà des lignes directrices au regard des sanctions à venir et à retenir. Voilà concernant l'ouverture et les évolutions en attente de la CSRD. Il nous reste une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions-réponses. Donc, Sarah, j'imagine que tu as pu collecter certaines informations. Oui, absolument. Merci beaucoup, Julien et Caroline, pour cette présentation. Peut-être une première question en lien avec ce que tu évoquais, Caroline, sur les points d'intention relatifs à la difficulté d'accès à certaines données. On a une question d'Alexis qui nous demande, du coup, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas ou peu de données pour évaluer les impacts? Est-ce que vous avez des éléments à partager là-dessus? Oui, très bonne question. Effectivement, y a des, enfin, dans un premier travail de CSRD, c'est normal que toute la donnée n'existe pas encore. En fait, je trouve qu'il faut voir ce travail de CSRD comme quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et du coup, ce qui va être important de faire si jamais la donnée n'est pas disponible, c'est justement d'inscrire comme premières actions, comme première stratégie, d'évaluer les impacts de tel ou tel élément sur tel ou tel critère, etc. Et donc finalement d'inscrire déjà dans sa feuille de route la quantification d'impact comme une des premières mesures à faire. Donc c'est, enfin, ça c'est pour le travail de reporting. Donc, on ne va pas vous en tenir rigueur si aujourd'hui la data ne collecte pas. En revanche, du coup, il faut l'écrire dans son plan d'action qu'il faudra le quantifier par la suite. Ensuite, sur la quanti, enfin, du coup, j'imagine que derrière ça, c'est aussi comment est-ce qu'on sait ou non si c'est matériel si on n'a pas quantifié. C'est là où, du coup, c'est important de se faire accompagner par des personnes qui sont expertes parce que même si on n'a pas forcément une donnée très très fine, nous on va avoir ce recul et cette expertise pour réussir à dire en analysant votre chaîne de valeur là où il y a voilà, une nécessité d'accès vos actions et on arrivera à hiérarchiser entre les différents enjeux environnementaux, ceux qui sont le plus importants pour vous. J'espère que ça répond à votre question, Alexis. Compléter peut-être Caroline Ouais. pour donner un exemple. Si par exemple vous avez besoin d'une donnée que vous n'avez pas mais qui est plutôt entre les mains de votre fournisseur ou de votre fournisseur de rang 1 ou rang 2, mais que le fournisseur ne la possède pas parce que manque de processus ou parce que manque de base de données scientifiques pour vous la donner, l'intérêt de la CSRD aussi c'est de se lancer et de se dire dans le rapport de durabilité dans quelle mesure dans 1 an ou 2 ans l'entreprise s'engage à mettre en œuvre et à se donner les moyens d'obtenir la donnée aussi.
C'est plutôt aussi dans un processus de justification. Si vous n'arrivez pas à reporter, en tout cas, d'un enjeu qui serait matériel, pour lequel vous n'avez pas la donnée, c'est de justifier ben, pour quelle raison et dans quelle mesure l'entreprise sera peut-être demain en capacité d'y répondre. Merci beaucoup. Peut-être pour rester dans cet aspect assez pratique, on a une question de Chimène qui nous dit qu'on évoque donc la nécessité pour chaque entreprise de développer son propre guide d'analyse pour la matrice de double matérialité. Et elle nous demande est-ce qu'il n'y a pas des guides déjà préétablis, certifiés par type d'activité ou de secteur qui pourraient être réajustables par l'entreprise? Alors, il n'y a pas forcément aujourd'hui de guides CSRD compatibles qui sont préexistants. C'est ce qu'on attend des normes aussi sectorielles qui arriveront dans les prochains mois. Elles permettront d'avoir une première base de données secteur par secteur pour réaliser votre guide méthodo. Néanmoins, vous pouvez déjà vous appuyer sur des référentiels, ou vous appuyez, hein, je n'ai pas dit vous basez à 100%, vous appuyez sur des référentiels existants, des référentiels qui sont labellisables ou des normes qui peuvent également venir vous apporter de la matière en fonction des ESRS et en fonction des enjeux pour construire ce guide méthodologique. Donc, c'est en cours, mais il y a déjà un petit peu de matière, mais rien n'est certifié à ce stade. Merci Julien. Pour revenir un petit peu à l'introduction, on a une question de Stéphane Morel. Bonjour Stéphane, qui fait référence à la slide 13. On montre du coup comment l'économie circulaire peut concerner d'autres volets au-delà de l'ESRS 5. Alors, est-ce qu'il s'agit du coup de reporter les mêmes actions d'économie circulaire dans plusieurs ESRS et quelles sont les bonnes pratiques en la matière? Ouais. Effectivement, et ça rejoint le point où je parlais de regarder ça d'une façon, enfin de regarder ce travail d'une façon globale. C'est pas grave entre guillemets s'il y a plusieurs actions qui se retrouvent dans plusieurs ESRS. Il faut le voir vraiment comme un travail, voilà, rapport extra-financier dans lequel vous expliquez vos démarches et enfin vos stratégies, vos actions. Donc effectivement. Il s'agit de report, enfin, que certaines actions vont se retrouver dans plusieurs ESRS. Il n'y a pas comment dire, de meilleures pratiques. Enfin, je ne pourrais pas vous donner, par exemple, toutes les actions de l'économie circulaire doivent se retrouver dans les autres ESRS. Il faut reporter là où ça fait sens, c'est-à-dire mettre les actions d'économie circulaire qui concernent spécifiquement le changement climatique et la pollution dans ces ESRS-là et pouvoir le rappeler dans le SRS 5 en plus. Je dirais qu'il faut voilà, mettre les actions qui font sens dans les bons ESRS et ça sous-entend effectivement que plusieurs actions vont se retrouver à plusieurs endroits dans votre reporting. Sachant que chaque SRS va devoir être accompagné d'une stratégie, d'objectifs, d'actions et donc d'indicateurs aussi. C'est surtout au niveau des indicateurs et des actions où vous allez pouvoir faire du lien entre chacun des sujets, permettant d'avoir une démarche intégrée la plus propice possible. Et justement, puisqu'on est sur le sujet des indicateurs, est-ce qu'on peut trouver une liste des KPI qui sont demandés par la CSRD selon les différents ESRS? Oui, enfin, du moins les 1000 indicateurs ou les 1000 informations demandées sont déjà disponibles, hein. Vous pouvez les regarder sur les guides proposés par l'EFRAG et au travers notamment de la transposition du 6 décembre 2023 en droit français qui vous apporte de la lisibilité sur les indicateurs et les informations demandées. Néanmoins, il s'agit que du secteur agnostique. On n'a pas encore les informations à l'échelle des normes sectorielles. Et pour vous donner la visibilité sur la partie économie circulaire, vous donner des exemples de ce qui peut être demandé, ça va être l'augmentation de la conception de produits circulaires, donc conception de produits pour qu'ils soient durables, démontables, réparables, etc. Le taux d'utilisation de matières circulaires, donc là on entend tout ce qui va être des matériaux biosourcés, recyclés, etc. Minimisation des matières premières en volume. Et aussi tout ce qui va être sur la gestion des déchets de façon globale, donc de la collecte jusqu'au traitement adéquat. Pour vous donner un exemple d'indicateur qui pourrait être plutôt propre au secteur d'activité ou à l'entreprise, si on prend l'exemple de ce client qui est spécialisé donc dans la joaillerie, qui a donc une chaîne de valeur qui extrait de la matière au travers de ses fournisseurs, un indicateur pourrait très bien être le nombre de mètres cubes de terre retournés
par gramme de métal ou de pierre précieuse collectée. Vous voyez, ça vous donne déjà aussi un indicateur de performance et beaucoup plus précis que ce que le secteur agnostique ne propose pas encore, en tout cas au regard de la CSRD, quoi. Merci. On a une question aussi de Sophie qui nous dit tous les métiers de l'entreprise étant concernés, est-ce que les entreprises qui fonctionnent en silo doivent changer leur mode de fonctionnement pour aller vers plus de transversalité? Et si oui, par où commencer pour lancer ce changement auquel certaines entreprises résistent? Tu veux répondre, Caroline? Ouais, je peux donner les premiers éléments et puis tu complètes, Julien. Alors, effectivement, à votre question, faut-il désiloter? Oui, un grand oui. Comment est-ce qu'on s'y prend? Ça, c'est plus complexe. Je pense qu'il faut le revoir peut-être étape par étape, c'est-à-dire que ce travail de reporting CSRD, finalement, il faut l'englober dans quelque chose qui est de la vision, l'englober dans la vision RSE de l'entreprise. Parce que, comme le disait Julien, un travail de CSRD, ce n'est pas très sexy, ça n'a pas soulevé les foules, mais il faut que ce soit englobé dans une vision qui mette en marche l'entreprise. Comme ça, les gens vont se sentir concernés et vont vouloir se mobiliser sur le sujet. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le travail d'état des lieux, nous, on s'en rend compte, quand on fait ce travail d'état des lieux, on va interroger, c'est quelque chose qui peut être fait en interne, hein, mais en tout cas, ce travail d'état des lieux, ça permet d'interroger un très grand nombre de parties prenantes et les parties prenantes internes, les employés vont se rendre compte finalement justement de ce silotage. Il y en a beaucoup qui en ont déjà conscience, mais ça permet d'en rajouter une couche. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est comme le Comex est investi dans ce travail-là, finalement, on va faire on va rendre compte de ce blocage que les employés sur lesquels les employés ont mis le doigt, que c'est trop siloté, et donc c'est un message qui va être porté plus haut. Et ensuite, ça se joue aussi au niveau de au moment de la feuille de route. Et c'est là que on va faire des choses comme par exemple des racines, enfin voilà, comment dire, une responsabilité qui va être partagée et c'est hyper important que pour chaque action de la feuille de route, il y ait une entité bien définie, une personne responsable bien définie et pour certains cas, même pour la plupart des actions, finalement, on se rend compte dans nos feuilles de route que ça implique plusieurs secteurs, plusieurs entités différentes de l'entreprise, le juridique et le marketing et j'en sais rien, les achats, et que donc il y a des petits groupes de travail qui se montent comme ça en interne, et c'est important qu'il y ait une personne qui soit responsable de l'avancement et qui permet et qui pilote finalement ces groupes de travail transversaux. Voilà, donc je pense que ça se joue à plusieurs niveaux, à plusieurs étapes. Et dès le commencement et dès le début de ce travail de CSRD, il y a déjà des choses qui vont pouvoir débloquer. On vous invite à réaliser en toute première étape, et c'est d'ailleurs ce qui est demandé dans le SRS2, de réaliser un plan de gouvernance, un schéma de gouvernance, à savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur les prises de décision, les différents organes décisionnels qui existent, le CSE, le comité de direction, le COMEX, les actionnaires, bref, toutes les instances qui sont présentes au sein de la structure, et d'articuler ces sujets en fonction des responsabilités au sein des instances qui sont déjà préexistantes, permettant de bien intégrer la RSE et donc la CSRD au sein de l'entreprise, et pas d'en faire une démarche en parallèle. Parfait, merci beaucoup Julien et Caroline. Il est 12h30, donc on va clore ce webinaire. Il y avait encore quelques petites questions, mais n'hésitez pas à compléter le formulaire qu'on a mis dans le chat si vous voulez en savoir plus sur le sujet. On reviendra vers vous avec plaisir. Vous avez les contacts aussi de nos intervenants qui s'affichent. Eh bien, merci beaucoup et donc bon courage à tous pour ce reporting et une excellente journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci de votre écoute, à très Bonne bientôt, au journée. revoir. Au revoir.